Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Youhou! Ah, je pouvais faire un saut de l'ange, dommage. Bienvenue dans ce nouvel épisode sur Shadow of the Tomb Raider. On a découvert l'entrée secrète d'un temple. Et on n'est pas les seuls. Voilà. Opération Loup solitaire en cours. Tenue en route. Opération Loup solitaire en route. Comme raison. D'accord, commandant. Désolé, chef. Non, trop tard. Il y en a une là. Allez. Ben voilà. Ces drones étaient super lourds, bizarrement. Bon, le bateau a l'air ok. Mais je vais me les faire. En plus, ils vont se cacher derrière des caisses de munitions. Générateur encore? On va pouvoir les faire péter. Attention, parce qu'un corps, ça flotte. Est-ce qu'il y a un petit isolé qu'on le calanche là? Et puis j'ai pas un... Oh, comme elle nage vite là! J'ai fait un truc, j'ai pas compris. Mais non! En parlant de loup solitaire, ver solitaire même. Allez! On se fait un peu de vie. Sous l'océan! Sous l'océan. Est-ce qu'on m'a vu? Coucou. Ah, du coup, c'était pas très discret. Mais il me touche. Remonte un peu, je suis en train de mourir. Remonte un peu. Tiens! Au suivant. Bon, voilà, émulation furtive. Si on veut. Y'en a d'autres? On dirait pas. Et j'ai vu, j'avais nagé super vite, c'était de la chance. Faut remonter, non? Ou elle respire de manière illimitée? Je les ai tous butés. Génial. Alors, j'ai vu, avant d'avancer, il y a du matos. C'est un peu relou quand même que, enfin, j'appuie, ça prend pas en compte, il faut que je martèle comme un débile. Et comme il faut rester appuyé, bah c'est un peu chiant. Lara, ça va? Oui, il ah. Y a une base des Trinitaires ici. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Je t'avais pourtant dit de rien casser. J'ai rien cassé. Abby, je vais t'expliquer. Je te rappelle plus tard, Lara. Je peux tout expliquer. Surtout, reste prudente. Alors juste, on allume le feu. Voilà. Ah non, la compétence, c'est bon. Il y a du monde. Mais je les entends et je les vois pas. Boue, maintenez un pour que s'enduise debout. Ok, cool. On se fait de l'XP d'abord. Alors, là, boue. C'était carré. C'est bien. J'aime bien l'idée en tout cas. Et donc maintenant qu'on est enduit de boue, on est encore moins repérable.
presque fait. Tous les points d'accès sont couverts. Et la plupart des barricades sont en place. Viens, je peux pas te taper. C'est pas assez. Comme dans Metal Gear. Vous sécurisez le périmètre. Je veux que rien ne puisse passer. Compris, chef. On peut pas siffler. Ah. Les éclaireurs sont en route. Rourke, terminé. Oh. Ah, c'est sale. Hein. Mais là aussi. Cool, il y en a de partout, des murs debout. Quel cauchemar. Si tu le dis. Merci de me laisser tout le boulot, sale glandeur. Tu viens, mon coco. Viens voir papa. Enfin, maman. Viens. Alors, comment on va pouvoir se débarrasser de ces deux cons? Ce ne sont pas des cons. Ça se fait pas d'insulter les gens sans les connaître. Est-ce que j'ai pas un petit cocktail Molotov? Une petite flèche enflammée. Il y a rien pour faire. Bon, on va le cramer lui. Toi, je te crame avec toute ta famille. Combien il faut de flèches, nom de nom? Il y avait pas un truc à faire péter? C'est fou ça, ouais, il y a des bouteilles là un peu trop près. Ok, donc on va par là, alors on n'y va pas. Ouais, il y avait moyen d'attaquer en hauteur. Et en plus je suis con parce que j'avais la compétence pour tuer en double. Mais il n'y a personne. Qu'est-ce que tu me fais? Oh mon dieu, si. C'est passé un truc sous terre, mais on se retranche pour combattre une menace ici. Ça a l'air assez classique. S'ils ont eu un problème, ça peut être absolument n'importe quoi. Mais bon, on tient quand même le temps. Ouais, je sais pas. J'ai quand même l'impression qu'on est passé d'une alerte orange en zone connue à une alerte rouge partout. On s'excite pour rien depuis cette horrible tempête. Ah, ça y est, il est devenu tout seul. Et on s'en va. On peut se coller au mur. Ce son, dites bien. Ça, ça pète, ça. On sécurise la zone. Il y en avait un autre, non? Ouais. Comment je fabrique? Je sais jamais, mais si je fais ça, ma roue de... Non, c'est mes armes. Et après, ça, c'est pour fabriquer. Oh, putain. Coucouille. Ah bah s'ils sont tous aussi doués que vous. Je peux rien faire péter là. Je crois qu'il m'a vu. Tu veux pas venir voir? Il devrait pas tarder à revenir. J'espère. Non, ça peut pas péter, ça. Sauf qu'il n'y a pas de bouteille. Bien reçu. On trouvera les restes. Où un homme à terre? Où tu vois ça, toi? J'ai pas bien compris ce qui s'est passé, là. Je pense que c'est un bug. Où est le dernier? Jonah, le commandant. Ah, ok. Il a demandé au Trinitaire de surveiller un site de fuel. Ça marche. J'ai eu les deux. Tu vas aller jeter un coup d'œil. Exactement ce que je voulais faire. C'est l'école du skill. Dominguez a pris la dague. Ils ont dû découvrir comment accéder à la cité perdue. Mais honnêtement, ça pète ça, non? Il n'y a pas un truc... Pff, que dalle. Oh, j'ai mon silencieux direct. Cool. Ok. Bah allez, on examine. Tu descends? Non? Putain. Ok. Là encore. Exactement ce que je voulais faire. Mais comment ça une boucherie? Mais elle voit des trucs que je vois rien moi. Ah oui, voilà. Ok. Ouvre les yeux aussi.
Parce que je peux faire des cocktails Molotov et tout, mais je sais juste que je sais plus comment je crafte. Ouais, non, mais c'est pour crafter... Je sais pas. Ok, donc on devrait arriver sur une énigme. Parce qu'après infiltration, énigme. De l'XP, donnez-moi des compétences. El Fuego, partout. Quoi? Ah, pour utiliser ma compétence d'œil, il faut cramer des... Oh, je savais pas. J'avais pas compris ça. Ok. Je suis à l'intérieur du temple. Je crois qu'on a aussi trouvé un truc. Des chiffres. Je vais essayer de nettoyer ça. Ça va, tu te fais pas trop chier, nettoyer des chiffres pendant que moi je suis en train d'affronter les flammes et... Et des mecs. Les chiffres sur les piliers rappellent la première moitié d'une date. Ishel sur la gauche, chaque shell sur la D'accord. droite. D'accord. Je dois ouvrir les portes pour trouver d'autres symboles. Ouais. Ishel sur la gauche et Ishel sur la droite. Je dois ouvrir les portes pour trouver d'autres symboles. Oui, j'ai compris. Alors, du coup... Ok. Quelqu'un a tourné au pif en fait. D'accord, donc ça m'amène à des petits ponts. Petits ponts qui me donnent des interrupteurs. Ok. Oh mon dieu, je veux pas rester là. Je dois ouvrir les portes pour trouver d'autres symboles. Oui. D'accord, je suis pas bien sûr de comprendre là pour le moment. On va aller ouvrir l'autre. Pour trouver d'autres symboles. Il y a une tête de serpent avec un rond. Mouais. Mouais, mouais, mouais. Ah mais non, mais elle a pas fait... Je dois faire correspondre les symboles sur les piliers à ceux des murs. Oui, oui. 3, 1, 1, 1. 4, 1. Ah oui, il y a un trait en bas. D'accord. Et sur l'autre... Et sur l'autre, c'est pareil, 3, 1, 1, 1. Et donc le prochain, c'est un 3. Voilà, allez. Non. Bah, 3, 1, 3. J'ai pas assez tourné. Oui, il faut les deux. Et lui, c'est 3, 1, trait. C'était ça. Du coup, ça, ça s'ouvre. Et on va voir la suite, non? Ou on avance? Encore une porte. Ça doit cacher quelque chose. Merde, j'en étais sûr. C'est parce que j'ai appuyé, fallait pas? Ah oui, il y a un truc en plus maintenant. Et ben là, c'est encore un petit 1. Enfin, un petit rond. J'ai failli me faire niquer juste parce que j'appuyais sur la porte alors qu'il fallait pas que j'appuie. Et là, du coup... Ah, c'est vide. Pourquoi l'arrêter ?
Ah, je peux plus. Je dois faire correspondre les symboles sur les piliers à ceux des murs. Apparemment, c'est fait. Ah non, attends, j'ai compris. Oui, le quatrième, c'est un trait. Donc c'est un trait. Point trait, ok. Donc là, c'est bon. Et donc, je vais pas ouvrir la prochaine porte. Cette fois, j'attendrai. Hé, hey, Jonah, comment ça se présente? Il y a une date incomplète et une représentation de chaque shell. J'ai deux dates ici. Et Ishell. Je crois que j'ai vu la date de gauche quelque part. La photo de Cozumel. Qui? Il y a peut-être un indice. Dans le compte long, le calendrier Maya, à chaque date étaient associés 5 chiffres. Ouais. Celui-ci a été modifié pour ressembler au nombre 13, mais il s'agit en réalité d'un 8. La différence étant de 2000 ans, les constellations se trouveraient donc dans une toute autre partie du ciel. Ça vibre, donc en fait, il faut que je fasse quelque chose. Voilà. Quelque part au Pérou. Est un 0. Le dernier chiffre sur le pilier de gauche est un 0. Le dernier chiffre sur le pilier gauche devrait être un 0. Donc c'est celui-là. Encore. Non, dans l'autre sens. Voilà. Allez. Ok, Jonah. C'est quoi le dernier chiffre pour chaque shell? Une ligne en travers, deux points en haut. 7, je dirais. Merci. Une ligne en travers, deux points en haut. De toute façon, c'est pas comme si je pouvais me tromper, vu que dès que je suis dessus, elle s'arrête. C'est dommage parce que pour l'instant j'ai pas beaucoup à réfléchir et même ça le jeu ne me m'autorise pas quoi. Waouh! Voilà. Trop cool! Attends, je vais apprendre des trucs. Super! Nya. Jonah ? Salut Lara, c'est Mais on s'en fout Abby, tu fais pas partie du groupe salut, là. Salut Abby, j'ai trouvé une fresque. On dirait que ça représente une sorte de voyage. Abby, je vais prendre une bière s'il te plaît. Entrer dans la gueule du jaguar et suivre un serpent vers un œil d'argent. D'accord. Et puis on voit aussi une araignée et un aigle qui s'envole vers un temple. Ok, je sais pas pour le reste, mais la gueule du jaguar c'est par ici. Quoi par ici ? Vraiment ? Ouais, une sculpture de chat avec de grandes dents. Ah, voilà Jonah. Lara. Non, c'est pas juste. Oui, je ressors là. Ah ouais, mais j'ai tout vu. Je crois que tu vas aimer ce qu'il y a des monolithes cachés après. Bah, je crois que. Ouais. Intéressant. Il est en bel état. J'aime vraiment l'ambiance qu'ils arrivent à mettre, quand même. C'est balèze. Serre d'aigle. Sur une branche, c'est la flèche grappin. Pour accrocher un ennemi. D'accord. Donc c'est de l'eau. On va y aller, mais juste... voilà. Je crache pas contre un peu d'XP. Ah! Attends. Et maintenant? Si la caméra était placée un peu différemment, on aurait eu une alerte au... Non? Oh non! Si? J'ai du mal à comprendre ce direct. Eh ouais, mais tu fais chier aussi. Enfin, t'es capable de savoir... Tu sais compter en Maya et tu sais pas... Non, non, je suis désolé. Bon. Il y a un gros travail sur l'ambiance. Hein. Je le trouve beaucoup plus réussi que... Eh bien, j'ai oublié de faire le saut de l'ange. Mais il est beaucoup plus réussi que les autres. Moi, je les encule, les piranhas.
c'est une zone pour respirer. Mon dieu, des piranhas, vite, cachons-nous. Heureusement qu'il y a des poches d'air, hein. Sinon on ferait comment? Plein, ok. Attends, mais c'est des piranhas, on va les suivre. Ils vont pas savoir que... Haha, je vous ai bien niqué. On appelle Solid Snake dans le jargon. Par contre, je vois pas du tout sa barre d'endurance aquatique, même si là elle tremble. Eh ouais, mais gros. Allez, allez, on y est presque, regarde, c'est là. Ouh, c'est bon. J'ai tout le temps envie d'appuyer sur le... sur R3, là, pour savoir où on est. Et surtout, si j'ai rien oublié... Mais sérieusement. Cool, on en est sorti. On a rien zappé. On avance. Je pense qu'il faut ramasser... Pour les cocktails Molotov, je crois qu'il faut les deux trucs. Mais là, elle prend une arme, donc il y a des gens. Ça, on les a entendus un peu parler. QG, ici l'équipe au micro, on est attaqué. QG, répondez. Silence, je me concentre. Attaqué par qui, gros? Serre d'aigle, sûrement. Je m'attendais pour tirer une flèche grappin. Coucou. Mais il peut pas parler? Qui sont? Est-ce qu'on panique un peu? Tu veux pas venir? Bah, viens me voir. Madame salopard, s'il te plaît. De quoi ont-ils peur comme ça? On va voir. Alors, je peux me soigner? Très joli. Allez. Non, franchement, il y a un gros travail sur les décors. Je trouve beaucoup plus immersif et réussi que Uncharted, perso, sur les décors. Je crois qu'ils ont peur de ça. Elle est gentille, elle a pas dépouillé en tout cas. Enfin, si j'ai des munitions, on va y aller au gun. Pas se faire chier. Après tout, je l'ai amélioré. Mais je l'entends encore. Je peux l'entendre. Ça c'est cadeau. Les dents. Ils ont attaqué. Ça criait. Les os. C'est fini. Qu'est-ce que... Alors.
Mais comment ils m'ont vu? Il y a Running Man. Tes potes sont pas très futés, mec. Ok, on va se cacher. Je peux reprendre mon molotov? Non. C'est bon. Ah non, ah. T'es pas très malin, toi non plus. Ok. Ah, les prends pas pour sauter. Tellement dommage. Va m'énerver encore plus si tu m'obliges à te chercher. Je t'entends, tu sais. Tu devrais fermer ta gueule. Ah, mais flûte! Ah, mais sérieux! Là, elle frappe, dans le vent. Il me voit, il me tire dessus! Attends, je ramasse des munitions! Non, là je suis quand même pas d'accord. Prendre le flingue qui a l'air plus... Toi apparemment tu sais pas. Voilà. On y est. Encore 60 secondes et on entre. Heureusement j'ai ma copine la harpie qui m'aide. Le carnage. Je veux pas savoir. Mais tu vois, elle s'accroche pas, ça fait chier. C'est quoi ces créatures? Bon, on s'en fout, non? Ah, tu penses qu'elles peuvent nous en vouloir? Il y a forcément une sortie. Peut-être en remontant par où ils sont venus. Allez. Wow, qu'est-ce qu'elle fait? J'ai un peu du mal là, avec les contrôles. Ok. Ah ouais. Je peux me mettre de la boue partout? C'est carré. Elle veut pas. Bon. Mon Dieu. Tous ces cadavres. Les victimes des créatures. Mais pourquoi? Parce que... Jonah, Abby. Oui, là, je vais mourir. J'ai vu quelque chose. Les Trinitaires sont pourchassés par des sortes de créatures bizarres. Quoi? Elles sifflent comme des serpents et vont très vite. Se sifflent comme des serpents, ça? On dirait la légende de Pishtako. Tu nous fais marcher? Non, je sais ce que j'ai vu. Oh, c'est horrible. Oui, je rentre là. Tout est plat. Je peux plus rien prendre. Ah, c'est cool, c'est des améliorations en plus, ça. Il va falloir en faire. Ça, Pishtako. On dirait la légende de Pishtako. Mais qui est ce Pishtako? Cool, encore de la compétence. Et il a le feu, il est là. Allez, c'est parti. Alors, on va améliorer l'arc, parce que j'aime bien le côté furtif. Et je peux rien améliorer. Il y avait pourtant écrit il me faut des peaux de bête. C'est bizarre, mais ok, le pistolet. Attends, je vais d'abord améliorer la... ça, parce que c'est vachement sympa. On est juste une, et ben on la prend, ça fait plus de dégâts. Je prends
corps à corps. On peut pas, mais il y a écrit améliorer. Enfin, il y a le logo, mais je peux rien faire. Bon. Donc, fusil, c'est fini. Pistole. Le rechargement rapide. Et plus de munitions. Ça marche. Est-ce qu'il nous reste de la place? Bah non. Allez, les compétences, on va s'améliorer de ouf, mais on verra ça dans le prochain épisode. Merci d'avoir regardé et à bientôt.